Allez, c'est parti, trois jours de pêche, 2 jours avec Rémi, et puis une dernière journée, une dernière soirée avec le Toine, qui est venu pêcher avec nous. Là, on se fait une petite session tous les trois, avec les deux autres zecs. Et puis voilà, on va pêcher au cassan principalement les soirs, et puis on fait un poste par soir. Donc voilà, après, à voir ce que ça donne. On a vraiment galéré aujourd'hui, il y a un moteur qui est tombé en panne. Donc là, on va aller tendre les cannes, et puis on espère que ça va pêcher pas trop tard, et puis qu'on puisse Vite du avoir un beau résultat, poisson, ouais, du résultat. vite. Le Toine qui est venu, qui a battu son record il y a 2 semaines. Ouais, 2 semaines, c'est Deux ça, semaines, fameux 2,40. 2,40 m. Voilà. Franchement, encore félicitations à toi. Ben, on va espérer que ça continue dans cette lancée. Ouais, Hein? il faut essayer de le rebattre encore aujourd'hui. Voilà, c'est ça. Et puis voilà, on verra bien. Bon, allez, moi, on va l'étendre. Ouais. Très pas mal. Allez, on lance cette Sous cette pêche, on lance les chaleur. hostilités. Ah, C'est excusez-moi. impeccable. Excusez-moi. Oh, la beauté des achats. Bon, le principe est quand même assez simple. Il faut essayer de se tendre relativement haut. Alors d'une part pour les canoës, et puis là il y a pas mal d'algues qui dérivent avec le courant. Donc elle a monté un petit peu, ça a dû en arracher quelques-unes. Donc faut pas que la bannière vienne rentrer en contact avec les herbes qui dérivent. Donc c'est important de se tendre bien haut. Et même d'une manière générale de toute façon, c'est bien de se tendre assez haut. La première chose, c'est que je viens prendre la longueur que j'ai par rapport à l'arbre jusqu'à ce que mon émerillon touche l'eau, et ensuite je viens choisir la profondeur à laquelle je vais pêcher. Donc, je vais pêcher dans 2 mètres d'eau, mais entre deux eaux, donc à peu près 1 mètre sous la surface, quoi. Bon ben voilà, ça y est, les cannes sont tendues. Hugo et Antoine sont partis mettre les bas de ligne avec les vifs sur chaque canne. Comme on vous l'avait déjà dit, nous on tend déjà toutes les cannes dans un premier temps. Et on repasse ensuite avec les bas de ligne et les vifs pour remettre sur chaque canne. Ça nous permet de pas nous accrocher quand on est en train de tendre et qu'on revient avec les bannières plus ou moins tendues, tout ça. Au début, on laissait nos hameçons et on avait souvent le cas où on s'accrochait sur les arbres ou autre chose qui pouvait traîner sur le fond. Donc on a arrêté et du coup on tend tout, on laisse juste les émerillons pendre et on y va. Une fois que c'est fini, on va mettre juste les bas de ligne, on a juste accroché les bas de ligne. Donc on gagne notre temps, et puis en pratique et puis en matériel, parce que ça évite de casser des fois on s'accrochait bien. Donc là tout, ça y est, tout pêche, ils reviennent, là ils sont de retour. Voilà, il n'y a plus qu'à croiser les doigts, j'ai envie de dire. Espérons qu'on arrive à faire du beau poisson, qu'on puisse vous faire partager notre sortie avec de belles images. Et voilà, on n'a plus qu'à croiser les doigts. Pour nous, tout pêche bien. En arrivant, on a fait le tour quand même. On est allé voir le poste avant de s'installer comme il fallait, tout tendre et tout. On a regardé où est-ce qu'il fallait se poser, où est-ce qu'il fallait mettre les cassons selon nous. Donc on a un peu étudié la chose quand même. Et pour nous, tout pêche bien. Donc il y a des jolis postes. À voir, des fois c'est joli et il n'y a pas de résultat, donc espérons que ce ne soit pas le cas ce soir et que le résultat soit au rendez-vous alors.
Oh là là, c'était galère. Oh là là, c'était galère. Des gros poissons, hein. Enfin, celui-là, du moins. Là. Ah, de ma gueule, hein. Bah, je me fous pas de ta gueule, t'as vu le ventre qu'il a, le machin. Il est aussi gros que moi, ton bordel. Ah, t'es pas mal gros aussi. Bah, hey, ça fait combien, un 30, ouais, un 40, hein. J'ai presque mort ça. Ah, la vache, qu'il est grand. La merde qui s'est mise dedans. Ouais, bah on voyait, ouais. C'est ça en fait qui m'a fiché. C'est ça qui est le bordel. Il est gras comme tout le machin. Ouais, il est gras énorme. Vous voulez que je vous pousse un peu pour que vous soyez un peu plus dans le... Non, non, c'est bon. Attends, je peux maintenir, mais... Il est en train de me chiquer là, c'est que ça va. Pas content. Non, ça y a pas plus. Allez. Allez hop, sauve-toi. Retrouve tes congénères. Ouais. Va chercher ton grand-père. Va chercher pas de vie, ramène-le nous. Il est là le boulet. Il est là même. Travaille nous un peu. On est parti les gars. Monte dans le bateau. Je viens avec toi. La caméra, la GoPro elle est où? Vas-y, je vais avec lui, T'as la GoPro? Vas-y, allez-y les gars, allez-y, je surveille ça là, faites-moi ça putain. Voilà, laisse le travail le poisson mon gars, c'est beau, hey, c'est beau les gars. Il est là le 2 mètres, je peux vous le dire. Putain. Allez, vamos! Ah, je peux le dire que c'est pas dégueulasse, j'ai vu tout de suite. Vous êtes parvenus, les gars, je vous le dis. Ah ouais, démarre ta merde, toi, monsieur. Prends le temps, regarde l'essence. Regarde le truc rouge. Starter et le truc rouge, regarde l'essence, regarde tout. Putain les gars, c'est bon ça. Eh, ça revenait sur nous. Hein. Ah ouais, c'est gros. Contre-le, il est trop près de la bordure. Eh, t'as plus d'essence, ça se trouve, couillon. Peut-être qu'on essaie de le montrer pour l'écarter dans ce... Ouais. Après j'ai peur de... Si on se met trop dans la bannière, on se met trop de bannière sur le côté, s'il y a un caillou là par là. Après on va le pomper au-dessus là. Allez, record battu. Record battu. Il y a le bœuf hein. Ah mon rêve, putain, je suis content là. Oh là là. Bah les gars, il y a plus de 20, vous êtes fous quoi, il y a 2,30, 2,35 là. Ouais, c'est ça. Il y a 2,35 ouais, mon rêve. Il y a au moins 2,30 là. 2,30 sûr. Je suis quasiment sûr de moi. Ah bah moi aussi je suis sûr de moi. Ah, il y a un gros poisson. Mais si.
La vedette. Non, comment on dit le... Moi, je suis Didier Deschamps, moi. Toi, c'est Didier Deschamps. La mascotte, tu voulais dire. La mascotte. Le Broly du Ferreira, c'est des cordes de partout. Et... clair. On voit que mon crâne. Le trio. Nickel. Toi. La maison, ça, parce que... Ouais, merci. Alors, ça fait quoi de battre son record? Bah, ça fait un drôle d'effet. Ouais. Impeccable. Un jeune qui vient d'ouvrir son cadeau de Noël. Non, c'est une excellente sensation. Ouais. On démarre fort, hein. Bah, hormis que tu m'as engueulé au ferro. Ouais, moi, je me suis fait punir. Ah, mais... je voulais que... Voilà, quoi. Non, fallait mais... pas qu'on le loupe celui-là, les gars. Hein. Je me suis fait engueuler. J'arrivais pas à démarrer le moteur. J'avais pas mis le coupe-circuit. Non, non. Là, ça valait le coup. Un super poisson. Ça a pété net, c'est revenu ouais. À fond sur nous. Grosse touche, gros combat. Enfin, ouais. Pas gros combat, mais il a fait ce qu'il avait à faire. Ouais, ouais. Et nous aussi. Faut dire que t'étais tendu loin aussi. Temps de reprendre contact avec toute la bannière, tout ça. Non, c'est quand on l'a vu arriver en surface, on a vite vu que c'était un gros poisson. Du coup, j'ai éteint mon téléphone, j'étais en train de filmer avec le téléphone. On a tout éteint. Ouais. Puis on s'est concentré sur le moteur et le poisson parce qu'il nous emmenait dans des branches, mine de rien. Donc voilà. Donc, c'est cool. Ouais, c'est top. Ça commence bien. Ouais. Ouais, ça commence fort, on est tous heureux là, on est tous les trois heureux là, comme des gamins. Ouais. Ouais. Super. Bon, super. Bah, allez, on va croiser les doigts pour le restant maintenant. Et puis, des fois qu'il y en a un autre second ou même plusieurs gros poissons qui se présentent, hein, on va pas. Ah oui, faut pas qu'on les loupe. Hein. Bah, ouais, faut qu'on continue de rester sérieux là. Ouais, sur ce chemin là. Sur cette lancée là, carrément. Bon, c'est que le premier soir. Donc, bon, premier soir, un poisson de 1,50. Ouais. Qui a fait une touche un peu limite, et puis peu de temps après, enfin une heure ou deux après, je sais pas combien exactement, le record qui tombe. Voilà, donc ça commence fort. Ça se décante très très bien. Ouais. Donc les gars, c'est pas votre chambre, c'est ma chambre. Retournez dans vos tables. Non, mais allez, on va continuer. Et puis, ouais. Super, ouais. Super. Oh que c'est bon putain. Oh, encore un bif, encore un gros gros poisson. Oh là là, oh là là. Oh c'est des blocs. Oh là 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 là. Dis-moi qu'il est plus gros. C'est un bloc. Oh la vache, merde. C'est un bloc. Ah, putain, ah, les gars, il est plus gros je crois. Non mais lui il m'a mis. Pour moi il est plus gros. Lui m'a vraiment mis. Ah, l'autre il allait au fond quand même jusque là. Ah, c'est les mêmes tailles. C'est la même taille. Ça fait 2,35, 2,40 encore. 2,35. Oh là là. Ah, lui m'a mis cher par contre. Ah, d'accord. Mon REM. Bah là, ouais. Je vous. Sous l'émotion. Ouais. Là, sous l'émotion encore. Doublé de poisson énorme. C'est vrai que le premier. Les gars, regardez ça. Oh la pastèque, toi. Regarde la queue. Non, mais c'est incroyable. Oh là là, ce travail. La caudale. Allez, ça me chauffe quand même, le casse. Tranquille. Il a fait au calme, mon cousin. Débile. Voilà. Ok. Voilà. En contact. Donc, tu veux qu'on le contre un peu là? Hein? Non, il est juste là. Et la fois que j'aime, façon, tu vas faire. On est au milieu, le voilà. Oh là là! Bon, il y a un bloc. Oh là, regarde ça! Impeccable. Il y a deux bains. Tu peux lâcher le zinc. Il va me faire dégueuler le machin. Montage à ce prix. Bah il dit qu'il est content. Hein. Encore un beau poisson. Autour des 2,10 donc. Ça fait une belle pêche. Très très belle pêche. Hein. Franchement. On est heureux comme tout. Y a heureux quoi, comme hein tout. Y a quoi. Ouais ouais, super, super. Là c'est lui qui nous remet. Ah ouais, là-bas. Oh bâtard, la patate qu'il a. Attends, comment il se machine ton cycle? Hein?
Bon ben alors on est le matin, il est 7h. On vient de faire un poisson de à peu près de 10, de 11 tout à l'heure à 7h moins le quart. Et là, on venait juste de revenir au bord, partager un peu la touche, tout ça. On a eu encore une autre touche. Donc là, ils sont sur un cinquième poisson qui a l'air joli. D'ailleurs, je les vois au loin. Ça a l'air bien sympa. Donc on se retrouve tout de suite avec, j'espère, le poisson. Et puis, on va vous montrer tout ça après. Ça fait quand même une sacrée partie de pêche. 5 poissons. Putain, par contre, ils ont une sacrée odeur de merde dans la gueule. Il y a encore un beau poisson. Et c'est des gros poissons. Bon, ça y est, on vient de tout ranger. Là, on va sortir les poissons, mesurer tout ça, parce qu'il y a des beaux poissons dans l'eau, donc on va prendre le temps de bien mesurer. On va vous présenter tout ça en vidéo, vous faire un petit récap de ce qui s'est passé. Ça a été une pêche assez mouvementée, avec des belles surprises. Donc, dur malgré les algues qui défilent. Ouais, il y a la jussie qui... Et les cannes qui pêchaient pas. C'était compliqué. Même malgré qu'on ait pêché dans les calmes. Malgré une pêche compliquée, on a réussi à faire quelque chose de joli quand même. Ouais, ouais. Très joli. Très joli, ouais. Très joli. Ah, oui. On fait pas ça tous les jours, c'est sûr. Deux super poissons, magnifiques pour Rem quand même. Ah, je suis bien content. Ah, ouais, faut dire ce qui est. C'est... Leur corps est tombé. Leur corps est tombé. Cette pêche, pour toi, c'est super. Bon, on se mouille. Allez, c'est parti. Impeccable. Allez. 4 bons poissons, après mesure officielle on va dire. Vas-y, annonce la couleur. De 10, de 19, de 34 et de 37. Voilà. Dans l'ordre que vous les voyez. Donc c'est des super poissons, une super pêche. C'est bien lourd. Très lourd. J'en peux plus, mais j'ai moins lourd. Ça vaut le coup de peiner. Ouais, ça valait la peine de... Allez, on les a bien arrosés, on va les relâcher pour pas qu'ils soient trop longtemps. Exactement. Hors de l'eau. Impeccable. Allez. Super. Allez, ça va y aller. On va y aller. Et voilà, la release. Voilà, relâche d'un super poisson. T'as mis pas longtemps. Et il est parti à fond. T'es en forme, lui. Allez, libre. Allez, relâche. Okay.